Donc 14 ans sans enfant. Et vous avez utilisé l'huile de faveur. Vous dites que vous êtes allé à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital même 5 fois déjà. J'ai 5 échographies à la maison. Oui. Et quand chaque fois que j'arrive à l'hôpital, on me dit que j'ai les mignons. On se penche seulement au quartier pour dire qu'on se traite dans les naturopathes, tout. Et lui aussi prend l'argent, il verse. Et quand il part refaire l'échographie, on trouve que ça a séché, ça a pris les volumes. C'est comme ça que je me retrouve avec 5 échographies à la maison. La dernière fois, c'est lui-même qui a trouvé une maman qui fait les écorces. La maman là lui dit qu'elle a l'habitude de traiter les mignomes, que ta femme va accoucher. Il a aussi investi là-bas. C'est quand je pars à l'hôpital avant le 19, 2 jours avant de venir ici, on trouve que les mignomes ont repris même, ça a encore accouché. Dans l'utérus. On trouve que les myomes ont accouché dans l'utérus. Donc c'est beaucoup déjà, même ça a redoublé les forces. J'ai fait 5 mois sans saigner. Les maladies sur maladies étaient déjà comme une mourante. J'ai vu le prophète Ekane à la télé, mais je n'avais pas mis mon cœur dedans. Je connais un voisin qui part là-bas, je m'en vais le voir. C'est là où je me dirige vers Martial. Martial me dit que maman, ne t'inquiète pas, comprends déjà que ton problème est fini, ne pleure plus. Il dit, Martial, je ne dors même plus chez moi, mon mari me met déjà dehors, qui ne peut plus supporter. Il dit, non, je vais appeler le père. C'est comme ça qu'il appelle le père, il cause avec le père, père, calmez-vous. Je vous dis que quand maman va aller chez le prophète Ekane, tout ça c'est fini. Je te dis, j'arrive ici le 19, je m'aligne là-bas. J'explique mon problème, on m'a enregistré stérilité, mignonne. En fait, quand vous arrivez devant moi, c'est moi qui a pleuré que aidez-moi. J'ai déjà fait 14 ans sans enfant, la honte, les moqueries, tout, c'est sur moi. D'accord. Et vous avez utilisé l'huile de faveur. J'ai utilisé l'huile. Vous dites que le sang est sorti de vous. À peine que j'arrive, j'ai d'abord utilisé ici, comme vous avez dit, mettez. J'arrive à la maison, je mets dans mon eau à boire et dit, prophète a dit que l'huile-ci, c'est l'huile de faveur. Nous qui n'avions plus de famille, ça devient notre famille. J'ai mis dans ma bouteille. Et vous dites que le sang est sorti. Dans la nuit. Dans la nuit. Je me suis levé avec le sang au lit. D'accord. Et vous avez utilisé, qu'est-ce qui s'est passé? And what happened when you use it? Madame est venue, mais je peux comprendre que voilà l'huile de vapeur que le prophète a donné. Donc, j'ai mis ça dans l'eau parce que le plus souvent, quand je vais au bureau, je mets l'eau dans le sac. Donc, au bureau, j'ai bu. La soirée, je suis rentré. À ma grande surprise, j'étais fatigué, je suis parti me coucher. Le matin, quand je vais me laver, je constate que mes sous-vêtements étaient bien mouillés avec le sang. Je rappelle que le sang sort d'où je travaille toute la journée, je n'ai rien vu. Et puis, subitement, je vois un médic, c'est sûr que ça doit être l'huile de faveur de prophète. Et voilà, c'est parti comme ça. Et c'est pour ça que m'a demandé. J'ai donc dit que moi-même, je viendrai voir. Vous allez venir voir le prophète. D'accord. Bonjour, peuple de Dieu. À travers un voisin qui s'appelle Martial, je suis dans un problème depuis 14 ans que je vis dans un foyer sans enfant. Mon mari a tout dépensé pour que Dieu fasse quelque chose, mais ça n'a pas été. Le 19 février passé, que mon voisin m'a fait venir ici. J'arrive ici que j'ai à faire les examens à l'hôpital, que ça fait 3 fois l'échographie qu'on me montre que j'ai les mignomes. Ce sont ça qui m'empêche d'accoucher. Alors j'étais déjà dépassée, où j'ai vu même ma famille. Ma famille m'a dit, si je n'accepte pas l'opération, on ne peut pas m'aider. J'ai dit, je n'accepte pas l'opération. Que Dieu fasse de moi ce qu'il peut. Alors j'ai vu mon voisin, il m'a conduit ici. J'arrive ici le 19, il me met dans la place des malades là-bas. On me dit, paye-lui de faveur, j'ai acheté lui de faveur. On me dit, quand papa va passer, tu restes là, connecté. Et j'étais là, et je savais que Dieu va faire quelque chose, parce que j'avais la foi. J'ai dit, Seigneur, me voici, je n'ai plus de famille. Même l'homme que tu m'as donné est en train de me quitter. Parce que je n'accouche pas depuis 14 ans. Je souffre depuis. Alors, quand papa passait, j'ai dit à papa que s'il te plaît, papa, sauve mon foyer, je n'ai pas d'enfant. S'il vous plaît. Il m'a dit, que mes entrailles soient délivrées. Et je suis tombé par terre. Fini. Père, ouvrez ses entrailles. Levez-vous, levez-vous. Venez prendre. Levez l'enfant. Mettez la main sur le ventre. Free. In Jesus' name. Père, je prophétise que ses entrailles sont ouvertes au nom souverain de Jésus-Christ. J'avais ma foi et dit, Seigneur, merci, tu m'as délivré. La même nuit que j'ai fait 5 mois sans saigner et que les mignons étaient déjà bien, que le docteur m'avait dit qu'il faut 450 000 pour m'opérer. Que quand on peut m'opérer, on peut seulement enlever l'utérus. La même nuit, je me suis levée avec le sang. Tu n'acclames pas parce que tu n'as pas compris. 5 mois sans saigner. Après la prière de notre Père, ça s'est déclenché. Oui. Alors, je me lève mouillée complètement au lit. Mon mari me demande que c'est comment. Il dit que chérie, ça a commencé. Là où j'étais là-bas, le Seigneur m'a opéré. Alors, le matin, mon mari, j'ai dit à mon mari que je suis venu avec quelque chose. Voici, c'est petit comme tu vois, mais je suis sûr, comme Martial m'a dit, que c'est puissant. Je veux aussi te donner ta part, parce que dans le couple, on ne sait jamais où c'est moi qui ai seulement le problème, ou il y a aussi un problème sur toi. Je veux souvent te mettre ça dans l'eau à boire, que tu pars boire au travail. Chaque matin, il fait ça. Bon, lundi, j'ai mis ça dans son eau à boire. Il lui a dit, bois ça toute la journée. Ne donne à personne. Sois jaloux dans ta bouteille. Et il a respecté. Il est rentré le soir. Comme il rentre souvent tard, étant fatigué, il n'a pas regardé ses vêtements. Il a dormi. Le matin, mardi, il voulait prendre la ceinture pour changer les habits. Il voit comment son slip est complètement mouillé avec le sang, comme une femme qui règle. Il m'appelle là-bas, il sourit, il dit, chérie, c'est comment? Ta part là, tu as mis ça sur moi, comment? Il dit que non, je n'ai pas touché tes habits. Il dit qu'il ne croit pas en lui, il ne croit pas en lui. Il lui dit, bon, c'est ta tenue qui va nous confirmer que ce que je dis, c'est la vérité. Va au travail, comme tu vas trouver ta tenue. Si tu trouves ta tenue propre, c'est que c'est moi le problème. Mais si tu trouves ta tenue aussi sale, mouillée avec le sang, c'est que toi aussi tu es délivré comme moi. Il est donc parti mardi là au travail, il trouvait sa tenue complètement gâtée avec le sang. Et il me dit qu'il ne sait pas où ça sortait, devant ou derrière, il ne sait pas, il ne sait pas. Bon, Donc aujourd'hui, Dieu est en train d'opérer un miracle. Alors, j'ai demandé à mon mari que ça ne peut pas se passer comme ça, que toi tu es à la maison, moi je suis là-bas. Allons ensemble. Yes. C'est que le prophète a commencé, qui finit. Oui, et je suis ici pour ça, et mon mari est venu. Il est venu. Je n'entends pas quelqu'un acclamer Jésus. Quelqu'un se lève pour acclamer Jésus ce matin. Maman, levez-vous s'il vous plaît. Maman, stand up, please. Votre mari est où? Raise your husband. Est-ce que son mari peut venir? Can her husband come forward? Let him come. Appelez-le. Appelez votre mari. Call your husband. Monsieur Eno Robert. Quoi? Il s'appelle Enoyo Robert. Vous l'appelez comment? Et vous appelez votre mari monsieur. And you call your husband sir. Non, c'est pas une déjà d'aller le chercher. Enoyo Robert. Vous appelez votre mari par son nom. You call your husband by the name. C'est vous qui donnez le nom déjà à son mari. Vous appelez votre mari comment à la maison? How do you call your husband at home? Vous l'appelez comment à la maison? Chérie, oui, appelez le don. Chérie, venez. Voilà. Voilà, chérie. Voilà. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Bonjour encore. Greetings again. Bonjour. Greetings. Le bonjour. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Vous êtes marié, ça fait combien de temps? For how long are you married? Ça fait 14 ans. It's 14 years. 14 ans que vous êtes marié à cette femme. 14 years that you're married. Et vous n'avez pas d'enfant. And you have no kids. 14 ans. 14 years. Bien. Lorsque vous avez utilisé l'huile de faveur, donnez-moi l'huile de faveur. Ceux qui ne connaissent pas l'huile de faveur, vous avez votre bouteille. C'est ça l'huile de faveur. Chacun doit avoir cette bouteille. En France, nous avons Maman Bema, we have Mama Bema, qui est la représentante de Rema. Voilà, faites attention, so on ne vend pas ça sur les réseaux sociaux. No. Vous avez l'huile de faveur. You have favor, oil of favor. La Bible dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui en loignant Dieu au nom du Seigneur. La prière fervente du juste guérira les malades. Et s'il a commis quelques péchés, lui seront pardonnés. Rassure-toi d'avoir cette bouteille d'huile chez toi. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. 14 ans sans enfant. Et vous avez utilisé l'huile de faveur. Vous dites que vous êtes allé à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital même 5 fois déjà. Okay. J'ai 5 échographies à la maison. Oui. Et quand chaque fois que j'arrive à l'hôpital, on me dit que j'ai les mignons. On se penche seulement au quartier pour dire qu'on se traite dans les naturopathes, tout. Et lui aussi prend l'argent, il verse. Et quand il part refaire l'échographie, on trouve que ça a séché, ça a pris les volumes. C'est comme ça que je me retrouve avec 5 échographies à la maison. La dernière fois, c'est lui-même qui a trouvé une maman qui fait les écorces. La maman là lui dit qu'elle a l'habitude de traiter les mignons, que ta femme va accoucher. Il a aussi investi là-bas. C'est quand je pars à l'hôpital avant le 19, 2 jours avant de venir ici, on trouve que les mignons ont repris même, ça a encore accouché. Dans l'utérus. On trouve que les myomes ont accouché dans l'utérus. Donc c'est beaucoup déjà, même ça a redoublé les forces. J'ai fait 5 mois sans saigner. Les maladies sur maladies étaient déjà comme une mourante. Quand j'appelle maintenant ma grande soeur qui est l'aînée, qui gère la famille, elle me dit que si elle ne veut pas me faire opérer, elle ne peut pas ordonner à ses enfants de m'aider. J'ai dit d'accord, moi, l'homme ne va pas m'opérer. J'ai vu le prophète Ekane à la télé, mais je n'avais pas mis mon cœur dedans. Je connais un voisin qui part là-bas. Je m'en vais le voir. C'est là où je me dirige vers Martial. Martial me dit que maman, ne t'inquiète pas. Comprends déjà que ton problème est fini. Ne pleure plus. Il dit Martial, je ne dors même plus chez moi. Mon mari me met déjà dehors. Qui ne peut plus supporter. Il dit non, je vais appeler le père. C'est comme ça qu'il appelle le père. Il cause avec le père. Père, calmez-vous. Je vous dis que quand maman va aller chez le prophète Ekane, tout ça c'est fini. Je te dis. C'est comme ça qu'il me retrouve le 19 ici. Parce que moi, j'avais déjà une fois que, Seigneur, je sais que tu m'as dit, Matt, si tu crois, tu verras. J'avais ça dans mon cœur. J'arrive ici le 19, je m'aligne là-bas. J'explique mon problème, on m'a enregistré stérilité, mignon. En fait, quand vous arrivez devant moi, c'est moi qui a pleuré que aidez-moi. J'ai déjà fait 14 ans sans enfant, la honte, les moqueries, tout. C'est sur moi. D'accord. Et fine. Vous avez utilisé l'huile de faveur. J'ai utilisé l'huile. Vous dites que le sang est sorti de vous. À peine que j'arrive, j'ai d'abord utilisé ici, comme vous avez dit, mettez. Oui. J'arrive à la maison, je mets dans mon eau à boire. Il dit, prophète a dit que l'huile-ci, c'est l'huile de faveur. Nous qui n'avions plus de famille, ça devient notre famille. J'ai mis dans ma bouteille. Et vous dites que le sang est sorti. Dans la nuit. Dans la nuit. Je me suis levé avec le sang au lit. D'accord. Et vous avez utilisé, qu'est-ce qui s'est passé? And what happened when you use it? Madame est venue, mais elle peut comprendre que voilà l'huile de vapeur que le propriétaire a donné. Donc, j'ai mis ça dans l'eau parce que le plus souvent, quand je vais au bureau, je mets l'eau dans le sac. On boit l'eau de source là. Donc, au bureau, j'ai bu. La soirée, je suis rentré. À ma grande surprise, j'étais fatigué, je suis parti me coucher. Le matin, quand je vais me laver, je constate que mes sous-vêtements étaient bien mouillés avec le sang. Je rappelle que le sang sort d'où je travaille toute la journée, je n'ai rien vu. Et puis subitement, je vois, elle me dit que c'est sûr que ça doit être l'huile de faveur de prophète. Et voilà, c'est parti comme ça. Et c'est pour ça que m'a demandé. J'ai donc dit que moi-même, je viens de voir. Vous allez venir voir le prophète. D'accord. Merci. En fait, ce n'est pas le prophète, c'est Jésus-Christ. Parce que moi, je ne suis rien. Je suis juste un serviteur de Jésus-Christ. Donc, C'est Jésus-Christ que vous êtes venu chercher. Parce que vous voyez, tout le monde ici, c'est à cause de Jésus qu'on vient. Nous quittons très loin pour venir chercher Jésus. Donc nous lui rendons grâce. Je veux prier pour vous. Ce que vous avez vu, c'est la délivrance. Ça veut simplement dire que vous aviez une attaque spirituelle. Que votre problème était un problème spirituel. Ne vous séparez pas de cette femme. Gardez-la. Amen. Restez avec elle. Stay with her. Ne vous séparez pas. Don't break up. Ce que vous avez vécu, c'est une délivrance spirituelle. Ça veut dire que votre problème, il y avait une influence maléfique dedans. Et beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avoir des enfants sont sous des influences négatives, démoniaques. La Bible dit « Malheur à toi terre et habitant de la terre ». Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Donc ça, c'est une attaque spirituelle. Et je veux prier pour vous. Et l'année prochaine, à cette époque, je vous attends ici avec l'enfant. Amen. Que Dieu punisse le sorcier. Que Dieu punisse le sorcier de ta famille. 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 Suivez Suzue Channel de témoignages.